Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Dans un premier temps, je vous souhaite bien évidemment tous mes voeux de bonheur et surtout de santé en ces moments un peu particuliers, mais on sent que ça repart et ça, ce n'est que du bonheur avec toutes les annonces qui ont été faites là. Je pense que ça y est, c'est reparti. On va redoubler d'espoir et redoubler surtout de moments conviviaux. On est ravis de commencer l'année 2022 en accueillant les familles des résidents, bien entendu, pour le plus grand plaisir des résidents, pour une journée de plaisir gustatif et de convivialité. C'est vrai que les étoiles dans les assiettes, c'est la 7e édition, mais on a l'impression que c'est toujours la première, puisque les résidents attendent ces journées avec impatience. Le personnel aussi, qui fait preuve d'une grande abnégation pour se préparer à ces journées et qui prend un grand plaisir lors du moment, du jour J. C'est vraiment un plaisir d'avoir des étoiles dans les assiettes pour nos résidents, des étoiles dans les yeux et, puisqu'on peut enlever le masque quand on est à table, un grand sourire autour de ce moment de plaisir. Aujourd'hui, donc, 7e édition des étoiles dans les assiettes. Agde, notre établissement de Agde est le précurseur de cette 7e édition. Donc nous allons aujourd'hui découvrir le menu créé par François Adamski, qui nous a une fois encore partagé sa créativité pour quel objectif ? L'objectif du plaisir des résidents, leur offrir le restaurant. Voilà, ils peuvent difficilement tous sortir et profiter du restaurant à l'extérieur. Donc nous avons décidé, l'objectif de ce projet, c'est de ramener le restaurant à l'intérieur, de leur faire plaisir, qu'ils reçoivent leur famille, qui avec tellement de plaisir sont toujours répondent présents, viennent. Et voilà, les résidents aujourd'hui, c'est une journée un peu de fête. On les a vus se préparer, s'endimancher, se coiffer, porter leur plus belle, leur plus belle robe et leur plus beau chemisier. Voilà, donc c'était très beau à voir et on a plaisir de leur faire ce petit cadeau aujourd'hui. Nous sommes également ravis d'être présents. Alors pour Nurès, c'est la première édition des Étoiles dans les assiettes en partenariat avec Ali Ashker et François Adamski. C'était important pour nous d'être présents et d'être présents sur l'ensemble de ces manifestations, d'accompagner le groupe dans la réalisation de ces repas qui sont un moment fort dans l'année pour les résidents. Et nous sommes très fiers avec les équipes et d'accompagner nos équipes pour ces événements. Effectivement, c'est un événement qui est peu commun dans le monde du troisième âge et ça mérite d'être souligné. Au niveau de Nurest, c'est un événement qui nous permet en fait de mettre à l'honneur le produit, de mettre à l'honneur le savoir-faire de nos chefs. On sait que c'est important pour nous de recruter les meilleurs dans nos établissements. Et c'est le type d'événement avec la collaboration de François Adamski qui forme nos chefs à créer ces menus gastronomiques, de motiver toutes nos équipes à faire mieux chaque jour et à offrir aux résidents le meilleur d'eux-mêmes. Voilà,